Good morning, allez, Iden. L'étude sera aujourd'hui le Ilou Nishmat, Rivka Batsara et Rachel Batsara. Nous étudions Baba Metzia, Perek Bet Mishnah Tet. Ezo hi Aveida. Matza Chamor, Opara, Roin Baderech, Enzo Aveida. Chamor Rekela Bafuchin, Para Ratza Ben Akiramim, Areizo Aveida. Echezira Uvarcha, Echezira Uvarcha. Afilo Baba Chamisha Peramim, Chayav La Chazira, Sheneemar Hashev Teshivem. היה בתן מסלע, לא יאמר לו תן לי סלע, אלא נותן לו שכרו כפועל בתן. אם יש שם בית דין, מתנה בפני בית דין, אם אין שם בית דין, בפני מי יתנה שלא קודם. Trois sujets dans cette Mishnah, je le dis tout de suite, on est dans les trois dernières Mishnayot du Perek, du chapitre. On va compléter la halakhot de la Shabbat Aveda, de la mitzvah de restituer une perte à son prochain, en apportant plusieurs précisions manquantes pour le moment. Là, il va y avoir un premier thème. Dans notre Mishnah, on va évoquer trois sujets. Le premier sujet va se retrouver au début dans la Mishnah Tet et ensuite dans la Mishnah Yud. Ça va être simplement apprendre à discerner à partir de quand considère-t-on que le bien de mon prochain, de mon prochain est en danger, en risque d'être perdu, et donc j'ai la mitzvah de partir vite le sauver avant qu'il perde complètement son argent. Et quand considère-t-on que l'objet n'est pas encore perdu ? Bien évidemment, lorsqu'on trouve de l'argent dans la rue, c'est sûr que cet argent a été perdu. Il y a des risques, des forts risques. D'abord, premièrement, il y a une logique qu'il est tombé de sa poche sans qu'il ait fait attention. Il y a des risques bien nets que quelqu'un va venir le prendre. Donc c'est sûr qu'avec l'usage de la Shabbat Aveda, on ne parle pas de cas pareil. Là, on va parler par contre d'un cas d'un animal. Supposons que vous trouvez dans la rue un chien en train de manger dans une poubelle. D'accord ? Il est en train de se faire une petite poubelle ou peu importe. En train de se promener gaiement, vous savez même pas à qui est le chien, est-ce qu'il appartient à tel voisin ou pas. Vous le voyez tranquillement en train de se promener, d'accord, naturellement, il est en train de se promener. Est-ce que vous devez déjà le prendre et éventuellement lui chercher un propriétaire, ou est-ce que vous avez le droit de le laisser vivre un petit peu, il n'y a rien de grave à se promener en pleine journée dans une petite ruelle. La Mishnah va nous dire, Matza Chamor, O Para Ro'in Baderech, s'il a trouvé un âne ou une vache, en train de ro'in, milachon ro'e, lir'ot, brouter, paître, en train de brouter sur le chemin, sur une petite ruelle, une petite impasse, Einzo Aveda. Ne vous affolez pas, il n'y a rien de grave, ce n'est pas encore considéré comme une perte, ce n'est pas une situation d'alerte où vous devez déjà commencer à soupçonner, à vous dire que peut-être que l'animal il est en train de s'enfuir de chez son propriétaire, il n'y a rien de grave. Il est simplement parti faire un tour, tout comme il a su sortir, il saura repartir, il n'y a rien de grave, laissez-le tranquille. D'accord ? À l'opposé, Chamor avec Kelav Afuchin. Si vous trouvez un âne avec ses Kelav Afuchin, littéralement, ses outils, ses objets à l'envers, j'ai pas vu de commentateurs qui m'ont expliqué qu'est-ce que ça signifiait. Tel que je comprends, ça signifie que vous trouvez qu'il a sa selle au lieu d'être normalement, elle est complètement à l'envers, il y a quelque chose de bizarre. C'est un signe qu'apparemment il vit un petit peu tout seul là ces derniers temps, il n'est plus entretenu. Ouais, il n'a plus l'arrêt sur le côté proprement, mais il a les cheveux en pétard. C'est un peu l'idée quoi. Comme ça je suppose, c'est-à-dire que vous trouvez qu'il avait complètement la selle à l'envers, il a l'air un petit peu délaissé là, c'est bizarre, c'est sûr qu'il est en train de se barrer. D'accord ? Comme ça, je comprends, en tout cas, c'est les mots tels que je les lis et je les comprends moi-même. Ou encore, para, ou encore en deuxième cas, para ratza ben akramim. Vous voyez une vache qui est en train de courir ben akramim dans un vignoble. Et alors, la Mishnah nous dit, areizo aveda. Donc, on a deux cas extrêmes d'abord. On va faire le point. Il y a plein de halakhot à déduire en réalité de cette Mishnah. Parce que ça va être des tas de halakhot qui sont plutôt écrites entre les lignes. Succinctement, la Mishnah a proposé des cas extrêmes, et notre souci va être de savoir qu'est-ce qu'on fait dans les cas intermédiaires. On ne va pas tous les évoquer dans les détails, pas non plus expliquer comment ça se déduit des mots de la Mishnah, mais en tout cas, je répète, regardez, il y a une règle. À partir du moment où je vais faire un distinguo pour vous présenter deux choses et vous dire là oui et là non, je me contenter de prendre uniquement un paramètre qui fait la différence. Si je prends deux paramètres et je vous dis, lorsque ces deux paramètres sont vérifiés positivement, vous devez rendre, ou sinon, si les deux paramètres ne sont en sorte négative, vous devez pas rendre. Alors que vous allez directement me poser la question, et s'il n'y a qu'un seul paramètre qui est vérifié et pas l'autre, qu'est-ce qu'on fait ?
une question de base chez toute personne qui a l'habitude d'étudier la Gemara, et c'est un problème qui se passe dans notre Mishnah. Tu me dis un animal qui broute sur dans une petite ruelle, ou un animal qui court dans un vignoble. On a un problème. Et si l'animal est en train de brouter dans un vignoble, et si l'animal est en train de courir dans la rue, et ça nous manque. Ouais, on a un problème. On va pas trop rallonger pour faire entrer ça dans les mots. Je vous donne juste les axiomes quand même généraux. Tout d'abord, un animal qui court dans la rue, est-ce que déjà... donc là, on a évoqué le cas où il était la vie tranquille, il était en train de brouter dans une poubelle. Si vous le voyez qu'il n'est pas en train de brouter, il est en train de courir. Alors la Mishnah, la Gemara déduit que s'il est en train de courir en direction de la sortie de la ville, là vous avez le devoir de partir le chercher. Sinon, tant qu'il est encore dans la ville, il est quand même en train de courir pour partir dans une autre ruelle et trouver une poubelle qui sera plus à son goût, tout simplement. D'accord ? Donc ça, c'était le premier point. Deuxième point, par contre, s'il est en train de brouter dans un vignoble, est-ce qu'il faut le restituer ou non ? Alors là, c'est pas que c'est discuté. Il y a une différence, de nouveau. La Mishnah n'a pas voulu évoquer le cas, parce que des fois, ça dépend. Si le vignoble appartient à un goy, il n'y a aucun problème, vous pourrez laisser l'animal. On n'a pas de mitzvah de Asherat Aveda chez le goy. C'est un peu plus complexe, mais en tout cas, on va prendre un cas simple. Après, je rajouterai un détail important. Si donc l'animal est en train de brouter chez le goy, l'animal, il broute, il est à l'aise, tout va très bien. Le goy, en ce moment, il a une perte de son vignoble. J'ai pas de mitzvah de Asherat Aveda, je ne dois pas me soucier, moi, à ce qu'un goy n'ait pas à sauver l'argent du goy qui ne soit pas perdu. D'accord ? J'ai cette mitzvah face à un juif, pas face à un goy, on a déjà évoqué la lacha, il n'y a rien de raciste. Et il y a des raisons, c'est-à-dire, comme le goy se conduit, c'est général à tout, plein de lois des mamonotes, comme le goy lui-même se conduit, on se conduit nous envers lui, on n'a pas de trace doute à faire, on n'a pas à en faire plus que ce qu'il faut, donc on le laisse, il n'y a pas lieu de sauver. Un cas particulier quand même, c'est si on est dans un quartier de sauvages, où le goy, lorsqu'il va avoir un animal, il va se mettre à lui tirer dessus. Alors de nouveau, l'animal, même s'il broute chez le goy, dépêche-toi vite d'aller le sortir et d'aller le rapporter à son propriétaire, parce que là, il va sauter sur une mine. Il va se faire exploser d'ici peu. Donc dépêche-toi vite d'aller le récupérer. D'accord ? Par contre, lorsque l'animal court dans le vignoble d'un goy, je dois quand même récupérer l'animal et le rapporter à son propriétaire, parce que dans un vignoble, je suppose, comme ça je comprends l'agma, en tout cas, c'est un endroit où il y a plusieurs pics et plusieurs... d'accord, il peut facilement se blesser et s'écorcher. Et donc dans ce cas-là, la mitzvah de Asherat Aveda, elle n'est pas en soi-même par rapport à l'animal qui s'est barré, qui a pris la fuite de son propriétaire, c'est pas là le problème. Le problème, il est que uniquement le propriétaire va récupérer un animal handicapé, amputé, et donc c'est pour ça qu'il y a une mitzvah de Asherat Aveda. D'accord ? Ça, c'était pour la première partie de la Mishnah. Ensuite, on continue. Je crois que j'ai oublié un détail important. Non, ça va, c'est pas grave, c'est bon. D'accord. On continue, deuxième partie de la Mishnah. Echzira ou Barcha. Cette fois-ci, on va nous dire attention. Echzira ou Barcha. Supposez maintenant que vous avez vu l'animal du voisin. Même si vous ne savez pas qui il était, peu importe. Vous l'avez donc pris chez vous, vous avez cherché le propriétaire, vous l'avez trouvé notre propriétaire, vous l'avez dit, j'ai trouvé ton animal qui était en train de s'enfuir de la ville, donc je te le restitue. Il va vous dire merci beaucoup, il va le garder. Le lendemain, vous repartez, vous vous promenez, et vous voyez de nouveau le même animal. Et je vous dis, tu le récupères et tu le ramènes. Une deuxième fois, va falloir même 4 et 5 fois, chaque fois que tu le retrouves dehors, tu dois le rapporter. Et tu auras toujours le devoir de le restituer. Chayav la chazira. D'accord ? C'est bon, ça rentre dans les mots, encore une fois. Et chazira, il a rendu. Ou barcha, elle s'enfuit de nouveau. Et chazira ou barcha, il a rendu, elle s'enfuit de nouveau. Afilo arba barcha mishapé amim. Et même si ça a récidivé 4 et 5 fois, chayav la chazira, tu auras toujours le devoir de la restituer. Shenemar hachev teshivem. Comme le pasouk nous dit, rends-le, tu le rendras. Il y a une insistance sur le pasouk. Et donc on déduit l'insistance que tu dois le rendre même plusieurs fois. Comme ça, c'est le Bartanoï qui explique. En réalité, en petite parenthèse, l'Agmara réfute, c'est une question d'ailleurs qu'on pose sur le Bartanoï, on n'apprend pas ça sur la simple redondance de Hachef Teshivem, même si ça avait marqué une seule fois, ça aurait suffi pour me dire tu dois toujours le lui rendre. Enfin bon, on ne va pas allonger sur ce détail. Un point quand même important à préciser, c'est le cas où... Ah, une précision très importante. Tout ça,
toute la mitzvah, le devoir que j'ai de restituer à l'animal même quand il s'enfuit, c'est à condition que le propriétaire le garde normalement et que malgré tout il a un animal un petit peu têtu et futé qui réussit sans arrêt à se faire la malle. Par contre, si le propriétaire néglige lui-même son bien, alors là c'est une grande règle, ça s'appelle une aveda midaat, une perte qu'il fait consciemment, c'est lui qui néglige son bien. Moi je ne dois pas plus me soucier de ton bien que toi-même tu ne te soucies. Si toi tu fais que de laisser sans arrêt ton animal, je te le ramène, tu dis ah merci beaucoup, et tu le laisses hein, de nouveau dans ta cour, et tu sais qu'il a que ton animal il aime bien partir et s'enfuir, il en a marre de toi. T'es tellement nonchalant qu'il en a marre de toi. D'accord ? Et tu malgré tout, tu le laisses encore une fois la porte ouverte et il se enfui. Là, ça s'appellera une aveda midaat, une perte. C'est-à-dire, c'est toi qui négliges la garde de ton bien. Dans ce cas-là, j'ai plus de devoir d'en faire plus que ce que toi-même tu fais pour toi-même. C'est une règle qui sera de nouveau évoquée. On l'a déjà évoquée, je crois. Et elle sera évoquée aussi dans la prochaine Mishnayot, dans d'autres cas similaires, mais le principe est le même. Ensuite, on continue avec la dernière partie de la Mishnah maintenant. Haya batel misela. Cette fois-ci, on va avoir une petite confrontation, un petit problème technique. Je vous pose d'abord la problématique, et après on fait ça dans les mots et vous allez découvrir. Supposons que je suis avocat. Je touche 500 shekels par 5 minutes de signature, d'accord ? Nos spectateurs, téléspectateurs, avocats savent de quoi je parle. Une petite signature, un petit papier, ils nous prennent déjà 200 shekels. Donc, un avocat, quand il travaille, lui, pour une heure de travail, il a une moyenne de, disons, 400 shekels l'heure de travail. D'accord ? 400 shekels, c'est le prix qu'il gagne. Ou bien même un autre cas encore, un manutentionnaire aussi, que lorsqu'il travaille, il touche aussi 200 shekels de l'heure. Il travaille très dur, mais en tout cas, il a une bonne paye, 200 shekels de l'heure, il ramène 1000 shekels par jour, et c'est très intéressant pour lui. D'accord ? Le problème, il est que maintenant, il est en route pour partir faire un travail. Et là, qu'est-ce qu'il voit ? Il voit qu'il y a une perte, l'animal du voisin, en train de se promener. Aïe, aïe, aïe. Bug, s'il va commencer à prendre le petit chaton de la voisine, ou le petit chaton qu'on remarque, c'est un chaton, c'est pas un chaton sauvage, il faut le prendre et partir, commencer à s'en occuper, le caresser parce qu'il a très peur de je sais pas quoi, et lui donner à manger, et pour le moment, ça va lui prendre au moins 3 heures de travail, il va perdre de 600 shekels à 1200 shekels, selon l'avocat, le manutentionnaire. Que fait-on ? Faut-il les prendre ? Doit-on renoncer à sa paye pour partir faire la mitzvah de restituer ? Doit-on éventuellement partir récupérer l'animal, reprendre l'animal, mais que l'autre devra me rembourser ? Dans ce cas-là, ce sera sûrement avec responsabilité limitée. Ça veut dire, si tu veux, ça va me coûter plus cher que le prix de l'animal. Peut-être que dans ce cas-là, il ne faudra pas le payer. De nouveau, c'est une règle. On avait fait ça dans deux Mishnahs précédentes. D'accord ? Qu'est-ce qu'on fait, concrètement ? La Mishnah va nous donner des règles. Haya batel misela. Si le fait de restituer l'animal va faire qu'il va être batel misela. Il va manquer à gagner un sela. Un sela, c'est une pièce de l'époque. D'accord ? 4 dinars. Bon, c'était une paye. Donc, haya batel misela. Donc, si il va perdre un sela, une valeur de un sela. L'oyomar, il ne va pas partir récupérer l'animal, s'en occuper, après il va lui dire, hé, l'oyomar, l'otenni cela, rembourse-moi un cela, donne-moi ma paye que j'aurais dû récupérer, que j'aurais dû recevoir. Pourquoi ? Non, mais qu'est-ce qu'il lui réclamera par contre ? Elle a notenno sraro, kepoel batel. Il lui donnera certes un cela, la valeur de un cela potentiel, mais en lui déduisant la fatigue, l'effort évité. On s'explique. On a pris le cas avec un avocat, on le laisse de côté pour le moment. On va plutôt parler du cas du manutentionnaire. Il est vrai que tu réussis à gagner 200 shekels de l'heure. Et donc tu as perdu 600 shekels et puis maintenant tu veux me rapporter mon animal, mon beau cheval. D'accord ? On va pas prendre le cas du chaton, comme ça on va pas compliquer, je vous explique ensuite pourquoi. Et tu me ramènes maintenant mon cheval et je te remercie beaucoup. Et il est vrai que tu as une perte de 600 shekels. Mais je vais pas te donner les 600 shekels, on va quand même calculer. Combien un manutentionnaire est prêt à renoncer à sa paye pour faire un travail moins fatigant. Ils ont besoin de se reposer un petit peu de temps en temps, ils n'ont pas toujours les nerfs de porter un frigidaire sur l'épaule, avec en plus de ça une machine à laver sur le bras, et je sais pas quoi encore de l'autre temps, l'autre main, d'accord ? De temps en temps, lui donner un petit peu de repos, et au lieu de gagner 200 shekels de l'heure, gagner
Combien vous lui donnez? 80 shekels de l'heure pour porter quelque chose de moins compliqué, moins fatigant. Il est aussi prêt à prendre des travaux pareils, ça lui permet de respirer un petit peu. D'accord? De ce fait, vous lui donnerez, certes, sa paye à l'heure, basée sur le calcul de 200 shekels de l'heure, mais en lui déduisant malgré tout la fatigue évitée, qu'il aurait été prêt à renoncer partiellement de sa paye pour ne pas se fatiguer autant. Et donc ça va sortir, donc, selon notre cas, je ne sais plus qu'est-ce qu'on a dit, on a dit 90 shekels, donc vous lui donnerez les 80 shekels de l'heure. D'accord? Elle a noté l'ostraro, il lui payera sa paye, mais que poel batel, comme, combien il est prêt à renoncer pour être un poel batel? Un employé qui travaille pas, qui se la coule douce. C'est aléatoire, c'est sûr, mais quand même, il y a des moyens de calculer. Il me semble que j'ai déjà vu une fois que ça correspondait aux deux tiers, si je ne me trompe pas, ou le tiers, un deux tiers, je crois que ça se trouve dans les Chot Poalim, dans Rochel Mishpat, quelque chose comme Siman, Shin Lamed Tret, Shin Lamed Tet. À l'occasion, on aura l'occasion d'en reparler, ce sera qu'en arrivant dans les Chot Poalim, en fait. J'espère que je penserai à vérifier cette halakha. D'accord? Donc, premier cas de la Mishnah, ça se passe comme ça. Ah, j'ai renoncé au cas, d'abord, j'ai exclu le cas de l'avocat, parce que l'avocat, franchement, entre faire une petite signature sans salir les doigts et se prendre un animal et commencer à le tirer et tout ça, il préfère, il n'a pas du tout lieu de baisser sa paye. De ce fait, si c'est l'avocat qui va vous restituer l'animal, vous devrez lui payer comme un avocat et qui est prêt à rien déduire parce qu'il ne se fatigue pas. Donc, vous lui donnerez sa paye intégrale, 1200 shekels. Et le cas du chaton aussi, j'ai pas voulu le réévoquer, parce que puisque le chaton coûte au maximum, combien vous donnez pour un chaton? 50 shekels, 100 shekels. Donc, de ce fait, il n'y aura plus de mitzvot à Shabbat Aveda si, pour pouvoir lui rendre ses 100 shekels, il va devoir dépenser 500 shekels. C'est pas logique. Rehe, Erteshi Venulo, c'était la règle qu'on avait appris dans la Mishnah Zayin, Vachevotolo, restitue-lui avec Sechel, avec jugeote, d'accord? Ne va pas lui dire, parce que je t'ai ramené 100 shekels, paye-moi 1200 shekels, ça valait pas le coup, il va te dire merci beaucoup, garde l'animal, je t'en fais cadeau. D'accord? C'est clair. Dernière partie maintenant de la Mishnah. Supposons maintenant que le manutentionnaire, certes, il aime bien se reposer et boire un coca frais, le problème il est qu'il a des grandes dettes, une famille à nourrir, et de ce fait, il n'est pas prêt à renoncer à sa paye. Oh. Donc, on ne lui donne pas 80 shekels. Lui, il est obligé de finir sa journée, de rapporter 1000 shekels ce soir. Il doit payer son loyer maximum demain soir, et il est obligé de rapporter cet argent. Alors là, on va lui dire, tu sais quoi? Im yasham bet din, matne bifne bet din. Si tu trouves là-bas sur place trois bons juifs, kherim, qui vont avoir un statut d'un bet din, nous, chachamim, on te donne la possibilité de poser la condition devant le bet din, en disant, devant vous, je déclare que je ne suis pas prêt à restituer l'animal pour 80 shekels de l'heure, mais à encaisser mes 200 shekels de l'heure. D'accord? Donc, il pourra poser la condition selon le Beddin. C'est un din sûrement de Rabbanan, je suppose, ça fait partie des conditions que le Beddin pose. D'accord? Maintenant, Imen Shab Beddin, s'il ne trouve pas trois juifs, trois bons juifs kshérim, pour pouvoir faire un Beddin devant qui il va poser la condition, Bifne Miyatne, devant qui il va pouvoir faire la condition? Il ne peut pas. Et d'un autre côté, on a une règle, chez Lokodem, sa perte passe avant tout. Il faut savoir, et là, c'est le point qui sera plutôt cette fois-ci bien plus détaillé dans la Mishnah Yud Alef, la dernière Mishnah du Perek, on apprendra l'importance de ne pas devenir pauvre. Il faut faire du chesed avec son prochain, et se donner à fond et s'investir quand on fait du chesed. Mais pas changer les rôles. Pour que lui, il cesse d'être pauvre, moi je veux devenir pauvre, pour que lui devienne riche, c'est pas logique. D'accord? C'est tout à fait normal et une règle évidente de halakha. D'accord? Et de ce fait, il y a marqué dans la Torah, Efes kiloye becha evion, tu ne devras pas devenir pauvre. Un homme n'a pas le droit de brader ses biens au point de devenir pauvre. D'accord? C'est un passage de la Torah, ce sera déduit. De ce fait, la règle, le principe est le même. Ta perte passe avant la perte de ton voisin. De ce fait, pour sauver l'argent de ton voisin, l'animal de ton voisin, même s'il peut coûter bien cher, malgré tout, on ne t'a pas demandé de renoncer toi à tout ton bien, à tout ton argent. Et puisque tu ne vas pas pouvoir récupérer et que c'est très important de recevoir, alors, c'est très important pour toi de recevoir de l'argent et tu n'as pas la possibilité de récupérer ton argent, de ce fait, la Mishnah te dit, ben, qu'est-ce que tu peux faire? Va toi sauver tes plumes avant de sauver celles des autres. D'accord? Shelo Kodem. On apprendra des précisions, un peu plus de précisions quand on arrivera dans la Mishnah Yud Alef.
Et pour notre propos, on va faire le Bartenoram, le Zantéchem de cette Mishnah. Ezo y Aveda, il y avait marqué au début de la Mishnah. Quelle est une Aveda? De quoi parle-t-on? C'est quoi cette question? Le Bartenoram nous explique. Ezo y Aveda, chez Nikarba, chez Abéalim, Yodim, chez Isham. À partir de quand considère-t-on que le. Excusez-moi. À partir de quand considère-t-on que le propriétaire, que l'objet perdu est effectivement perdu? Que le béalim, le propriétaire, ne sait pas que son animal est là-bas. Et Enzo Aveda, donc, on avait vu, tant que l'animal est en train de brouter dans une petite ruelle, ce n'est pas encore une Aveda. Ve'eno chayav l'arzir, il n'a pas de misa de partir le restituer. Shemida tinichua, parce qu'il est certain qu'il a été. L'animal a été laissé, on l'a laissé se promener, midat, consciemment. D'accord ? Ratsa ben akramim. Par contre, si l'animal était en train de courir ben akramim dans un kerem c'est un vignoble. Donc, chez mitkal kelim raglea, lorsqu'elle court dans le vignoble, elle peut s'égratiner, se casser les pattes. Alors là, dans ce cas-là, ce sera une aveda, il faudra aller le restituer. Ensuite. Un autre cas de figure que j'ai oublié d'évoquer aussi, c'est si on voit l'animal en train de brouter paisible, tranquillement, cher juif. Ah non, on l'a évoqué. Il faudra malgré tout partir restituer l'animal. Pas pour sauver l'animal, parce que l'animal, il n'a aucun problème. Lui, il va très bien, il est en train de manger et il est dans la ville, il ne va pas s'enfuir. Mais plutôt pour sauver la perte du vignoble du juif. Il est en train de perdre ses fruits en ce moment à cause de cet animal. Il y a aussi une mitzvah à Shabbat Aveda d'éviter que mon voisin perde même son bien immobilier même. D'accord ? La Mishnah évoque le cas, par exemple, si je vois le fleuve qui est en crue, il risque de déborder et de venir inonder le champ de mon prochain. Si je réussis à éviter la perte, j'ai aussi une mitzvah de Shabbat Aveda, d'éviter que le fleuve va lui remonter dans le champ. On continue ensuite sur la deuxième partie de la Mishnah. Il y avait marqué là-bas, hein, qu'il fallait restituer l'animal même s'il s'enfuit 4 et 5 fois, et même plus, comme le passage nous enseigne, « Achève teshivem »« Rends-lui, tu lui rendras »« A Torah ribta achavot arbe » La Torah a insisté pour inclure de restituer plusieurs fois. « Lo yomar lo ten li sela » Ensuite, on avait vu le cas où la perte, la personne qui va partir sauver, restituer l'objet, va perdre de l'argent. Alors, la Mishnah nous disait, il ne pourra pas lui dire, donne-moi un Sela, rembourse-moi ma paye intégralement. Chez eux, Merlo, imasita melartecha, aitamar betorach, archav, lefimash et tararta, tol. L'autre, il va lui dire, je ne dois pas te donner intégralement ta paye, parce que il est vrai que tu devais gagner en théorie 200 shekels de l'heure, mais aussi, tu aurais dû bien suer pour ça. Aitamar betorach, tu aurais eu beaucoup de fatigue. Archav, maintenant, les fimachet arachta atol. Prends une paye selon ce que tu t'es concrètement fatigué. Et donc il devra les payer kepoel batel. C'est quoi payer kepoel batel? Comme un employé au chômage. Kama adam rotselitol. Combien un homme est prêt à prendre, c'est-à-dire à renoncer de sa paye. Velifrot misraro. Et renoncer de son salaire. Li batel mimelachazo kveda. Pour ne pas faire ce travail difficile, chez Osegba, qui a l'habitude de toucher sa parnassa, Vela Sot Bimlacha Kala Kazo, et qu'au contraire, il préférait faire un travail beaucoup plus simple et gagner même moins d'argent. Et donc, si maintenant, on avait vu dans le sujet de la Mishnah, s'il ne veut pas renoncer à cette paye, alors la Mishnah nous dit, Im Yesham Bet Din, Matne Bifne Bet Din, Im Enorot Seli Batel Mimelachto, s'il ne veut pas malgré tout perdre. Chômé de son travail dur. Il a besoin, comme on a dit, il a besoin de sa paye. Coûte que coûte, il est obligé de rapporter son salaire, de donner son salaire pour payer son loyer ensuite, le lendemain, le soir même. Chez Srara Merubé. Et donc, il ne veut pas ne pas travailler pour toucher sa paye, sa grosse paye. Maya, c'est qu'est-ce qu'il pourra faire? Alors la Mishnah nous dit, Im Yasham, le Bartendor dit, Im Yasham, Shlosha Bne Adam, s'il y a trois personnes qui sont sur place, Matne bifnem, il pourra poser la condition devant eux. Veomer re'u shani mistaker kach vekach. Regardez que je suis censé normalement toucher tant et tant, une paye qui coûte tant et tant. Ve'i evshi li batel litol schar muat. Et je ne peux pas me permettre
de m'abstenir de travailler et de recevoir en contrepartie une paye moins grasse. Im tom rochet ol schari mishalem. Mishalem est appel bashavat aveda. Si vous acceptez devant vous, messieurs les juges, bon, je vais vous expliquer ce petit détail important quand même, de comprendre comment ça fonctionne. Si vous acceptez, messieurs les juges, que je récupère ma paye, vous me donnez votre accord, votre aval, pour que je récupère ma paye intégralement, et t'appel bashavat aveda zo. J'accepte de partir m'occuper de cette perte. Chez Lokodem. Et donc la Mishnah nous a dit, on pourra faire cette condition devant le Bet Din. Et s'il n'y a pas de Bet Din, chez Lokodem, ton bien est prioritaire, ta perte est prioritaire devant la perte de l'autre. Et au Maniach et ta Aveda. Et donc tu laisseras la Aveda soit partir à la dérive, soit trouver un autre bon juif qui va venir derrière toi, qui finalement, lui, va vouloir restituer la paye, l'objet perdu. Un détail important quand même que je voulais vous dire, c'était l'histoire du Poel Batel. L'histoire du Bet Din. De manière générale, je n'ai pas le droit, moi, de prendre des décisions pour mon voisin lorsque mon voisin va perdre. D'accord ? Je ne peux pas, moi, décider de dire que ça vaut peut-être plus le coup pour toi que tu dépenses un peu plus. Je ne peux pas, j'ai pas le plein pouvoir sur une personne que je ne connais pas de décider que c'est plus intéressant pour toi que je jette 500 shekels aujourd'hui à la poubelle pour que tu récupères demain 2000 shekels. Parce que l'action de jeter 500 shekels à la poubelle, c'est une perte pour toi, même si finalement elle va te rapporter plus. Et j'ai pas le droit de le faire, tout simplement. D'accord ? Mais malgré tout, il y a une halakha qui apparaît de temps en temps dans le chasse, c'est que je peux malgré tout, en me concertant avec un bet din, et même désigner trois personnes simples, que je vais considérer comme un bet-din, Chachamim leur ont donné la force d'être un bet-din, pour décider eux-mêmes, avec la force d'un bet-din, de dire que cette fois-ci, ça en vaut la chandelle, ça vaut le coup de perdre un peu plus pour pouvoir gagner plus. En l'occurrence, comme le cas ici, et c'est un cas encore qui se retrouve dans plusieurs cas, où finalement, je veux agir dans la propriété d'un autre, pour son bien, mais lui causer une perte qui va finalement lui rapporter plus. Je veux avoir un pouvoir d'action. Je prends trois personnes et j'évoque le cas devant eux. Et eux, ils me donnent leur aval. Et ça a un poids d'une décision d'un bet din. Et ça engage la personne. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha. Rendez-vous demain. Kol tov, c'est là.